est-ce qu'il va, mon corps? Ça va bien, toi, GF? Ça va bien, ça va bien. Grosse journée, grosse soirée. On a une autre femme ce soir, puis pour vrai, je suis bien, bien, bien content qu'elle ait accepté notre invitation. Oui, la plus connue probablement des femmes qu'on a eues à date, là, qui est dans un média sportif québécois qu'on connaît tous, TVA Sport. À ce soir, on reçoit Frédéric Gay, ouais. Qui s'en vient nous parler de... Oui, sa carrière dans le journalisme sportif, mais de comment c'est venu puis comment elle s'est rendue là. Bien, hâte qu'elle nous raconte ça. Oui, puis je sais pas pour toi. Tu sais, moi, je la connais de la télé. Je la vois ouais. aller à la télé, mais j'ai hâte de voir comment elle est en vrai. Ben oui, c'est certain. C'est... Elle a de l'air assez loose quand tu regardes la TV. Tu sais, cool, funny un peu, mais ça reste à voir. Là, on a hâte d'aller confirmer ça. Yes. Avant d'y aller, on a encore nos deux partenaires qui sont là pas mal à chaque semaine. Ouais. Je te laisse commencer avec nos chums de Norton Baller. Norton Baller que je porte fièrement aujourd'hui. Je ne cesse de le répéter, mais c'est les vêtements les plus confortables là, que j'ai portés depuis longtemps. Je les porte souvent. Puis c'est un rapport qualité-prix excellent. Le logo il est beau, le style il est beau. Ils ont leur site internet northernballer.com. Mec, puis allez les encourager. Grosse mission sociale aussi là-dedans. Là. Je sais qu'ils remettent des fonds à des organismes sportifs. Là. C'est quelque chose que j'oublie des fois de mentionner. Mais à chaque achat, ça va soit football, basketball ou baseball Québec, si je ne me trompe pas. Exact. Il y a des fonds qui sont envoyés à chaque dollar dépensé là. Il y a un pourcentage qui est envoyé dans ces organismes-là. Là. Fait que c'est encouragez-les, des bons gars avec un beau produit. Yes, exact. Puis ils ont leur bière aussi qui sort de temps en temps. Puis si je ne me trompe pas, peut-être qu'ils le font avec le linge, mais si je ne me trompe pas, c'est l'argent amassé par la bière qu'il faut aux fédérations. Mais peut-être que je pense que la bière n'est pas à l'année, fait que peut-être qu'ils donnent un pourcentage sur le linge aussi. Bref, c'est vraiment aller sur leur site northernballer.com. Le linge est, comme David a dit, super confo. Moi, encore, j'y vais avec notre chum Joe Grenier, encore cette semaine, construction Solimax. Joe, un gars de Mirabel, un gars sur la Rive-Nord de Montréal, contracteur général depuis plus de 20 ans sur la Rive-Nord. Joe Grenier, pour le rejoindre, 514-290-2326. Ils n'ont pas de site Internet, donc vous pouvez le rejoindre directement sur son cellulaire. Puis, je le dis à chaque fois, comme nos chums de Mick et Olivier, Norton Baller, Joe, pour vrai, moi, j'ai joué à la balle l'année passée avec. Je pense que tu as bu une coupe de bière avec aussi, Carl, puis c'est super sympathique. Là. Ah ouais. Donc, si vous cherchez quelqu'un, je pense que c'est votre gars. Yes. Carl, on est aussi les gens qui nous regardent. Oui, on est sur Facebook, on est sur Instagram, on est sur Twitter, mais il y a une place aussi qu'on est, lesagentslibres.com. Oui, puis notre chaîne YouTube aussi, si vous voulez voir les vidéos dans leur intégralité. Ouais. Il l'a segmenté aussi. Fait, des fois, quand on a nos chroniques, ici et là, vous pouvez regarder juste la chronique, c'est ça qui vous intéresse, ou juste l'intégrale de l'entrevue ou de l'invité qu'on reçoit. Fait que c'est super facile. On est aussi depuis le début de la saison 2 avec TVC d'Argenteuil, Télé communautaire, La Chute et les environs. Qui nous présente du jeudi au dimanche à des heures qui varient. On est bien content. Puis sur ce qui est YouTube et notre site Internet, allez voir ça. Puis sinon, sur la route, c'est Spotify, Balado Québec, Apple Podcast. Exact. Toutes les plateformes là, qui offrent du podcast, on est un peu partout. Puis YouTube, là, la chose qui est quand même le fun, là, puis je pense qu'on ne le dit jamais, mais abonnez-vous à la chaîne YouTube. Ce qui est le fun, c'est que dans le fond, c'est quand on va mettre une vidéo sur la chaîne YouTube, vous allez avoir un petit un notification qui fait en sorte que vous n'avez pas besoin d'y retourner, ça va apparaître, ouais. Puis vous pouvez l'écouter. Fait que ça, c'est quand même cool. Vous pouvez même faire ça sur les balados audio aussi, ben sur oui, Balado exact. Québec, Spotify, vous faites ça, puis quand ça apparaît, vous avez une notification, puis ça vous permet de l'écouter. Carb, est-ce que tu bois quelque chose avant qu'on commence ça? Oui, bien, je suis sur le Hangava Tonic. Aujourd'hui, je t'avais de m'en faire un autre là, pour l'entrevue parce qu'à t'attendre, j'ai réussi à en boire un. Donc, on to the next one, mon homme. J'ai hâte d'y aller. Oui, moi aussi. Puis, je suis dans le gin aussi, de nos chums de la poche bleue. Ouais. Je vais descendre la bouteille assez rapidement. Il faudrait que je me calme. Mais excellent trop, gin. C'est trop bon. Pour vrai, il est excellent. Fait que, écoute, sur ça, on va rejoindre notre invité, Frédéric Gay. Frédéric Gay, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Compte tenu des circonstances, ça va bien. Pas vu grand monde, pas allé au resto souvent dans les dernières semaines, mais c'est correct. T'es assez tranquille ce côté-là. Ouais. T'es-tu à Montréal, Frédéric? Oui, centre-ville. OK.
Je commence direct avec ça. Tu viens de où? Tu habites où présentement? Tu viens de le dire, tu es à Montréal parce que à cause du travail, j'imagine, mais tu viens de où? Tu es à Montréal depuis combien de temps? Tu es à TVA depuis combien de temps? Je vais vous faire un petit résumé là, de ta carrière présentement. Oui, je suis à Montréal depuis, ça a fait 9 ans cette année. Je suis arrivée en août 2011. Moi, je viens de Québec. Québec représente la plus belle ville. Donc, je suis partie effectivement pour le boulot. C'est TVA qui m'a fait déménager, dans le fond. Là. C'est la raison pour laquelle j'ai déménagé. Je venais un peu à reculons à Montréal parce que, comme bien des gens des régions, à chaque fois que je venais à Montréal, je suis comme, c'est sale. Puis bon, mais ça m'a pris. Non, mais tu sais, puis en plus, en ce moment, c'est l'horreur là, avec les travaux partout. Ouais. Mais tu sais, je me disais ça à l'époque, puis ça m'a pris quelques mois à l'adopter, mais finalement, je l'ai adopté. Tu sais, c'est... Je compare ça souvent à une fille. Tu sais, Québec, c'est comme une belle, grande, blonde, mais un petit peu plate. Montréal, c'est comme une petite rouquine avec une craque entre les dents. J'en suis pas plus belle, mais t'as le goût de passer du temps avec. Je vais pas dire que Québec est plate, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est plus tranquille. Tandis que Montréal, c'est plus foufou. Moi, je suis de la région de Montréal, je suis d'accord avec toi. Fait que c'est pas correct. Une rouquine avec une craque dans les dents, par contre. Non, mais cute! C'est une petite craque. T'as le temps du charme. Il y a un petit... Ouais, en tout cas. Ouais. Faudrait que tu me la montres. Peut-être que je comprendrais mieux. Frédéric, j'ai fait mes recherches plus tôt. J'ai vu que c'est en 2011, en fait, que tu es passé de RDS à TVA. Oui. Donc, tu travaillais pour RDS de Québec seulement? Oui, mais dans le fond, TVA Sport n'existait pas encore. Moi, j'ai un parcours qui est plus long que ça, mais je venais d'arriver à RDS depuis janvier 2011, puis j'étais leur correspondante à Québec. Okay. Donc, je faisais 2, 3, parfois 4. Là. Je sais que c'était en même temps que j'ai ma place, puis on va avoir un nouveau colisée ou non, etc. Fait que je faisais quasiment plus de la politique que du sport, là, rendu là. J'étais toujours en train de parler à la bombe. Mais c'est ça. Donc, j'ai fait un peu de RDS à distance pendant que j'avais d'autres emplois. Puis éventuellement, TVA Sport est venu me chercher, puis m'a offert du temps plein. Puis j'avais une décision à prendre. Puis j'ai décidé de venir à Montréal. Avant 2011, le parcours ressemble à quoi? J'ai vu que tu étudies en droit, tu es en communication dans le sport. Ouais. Est-ce que c'est une erreur de parcours qui t'a amené en sport ou c'est vraiment la passion du sport qui a fait que tu t'es rendu là et non en droit? Un mélange de plein d'affaires. Moi, j'ai étudié en droit à l'université. Pendant ce temps-là, j'ai eu l'occasion de... Non, attends un petit peu, je vais recommencer dans l'ordre. Donc, j'ai étudié en droit à l'université. J'aimais ça, mais c'était pas mon premier choix. En fait, je ne savais pas dans quoi vraiment je voulais m'en aller à l'université. Mon père est avocat. Il m'a dit « Tu ne regretteras jamais d'avoir un cours de droit. » Puis, 100% raison. J'ai vraiment quand même appris énormément. J'ai appris à m'obstiner, ce qui est triste pour le futur père de mes enfants. C'était vraiment le fun. Le criminel m'intéressait beaucoup. OK. Quoique ça peut être lourd des fois, le criminel. Mais bon, ultimement, j'ai décidé... le soir de faire des cours de radio-télévision. C'est ma mère qui m'a plugué ça, m'a dit « Essaye donc ça, d'après moi, tu pourrais aimer ça. » Parce que je n'étais pas super stimulée tout le temps dans mon bac en droit. Okay. Et ça a bien fonctionné. J'ai commencé à faire de la télé à Télémag à Québec. Des apparitions dans diverses émissions. Là, ça forme, là, et pas... C'est formateur à vie à ceux à la maison. C'est ça. Puis éventuellement, j'ai fait de la radio. Éventuellement, TVA Québec m'a appelé pour faire un remplacement au culturel un été. Puis après, je suis comme arrivée à l'automne, puis il n'y avait plus grand-chose. Puis moi, je suis une grande, grande fan. J'ai l'impression que je me répète dans chaque entrevue, mais si jamais tu ne le sais pas, je suis une grande, grande fan de Federer. Ouais. Puis je me souviens, j'étais dans ma chambre à 5 fois chez mes parents. J'ai vu une fille dans ma télé, dans ma chambre, qui interviewait Federer au Masters de Shanghai. Puis je me suis dit, mais, je veux interviewer Federer sur un court de tennis après une de ses victoires dans un Masters. T'sais. Fait que j'ai commencé à faire des démarches. J'ai envoyé la petite histoire comique, c'est que j'ai envoyé mon démo à RDS, mais j'ai appelé tout de suite. Puis okay. Il y a quelqu'un qui a répondu. Puis son frère s'appelait Jonathan. Puis il m'a dit, c'était quoi son nom? Il m'a dit Jonathan. Puis j'ai dit, écoute, Jonathan, tu veux-tu être mon meilleur ami pour les 2 prochaines minutes? Puis il m'a dit oui. Je dis, bien, écoute, je viens d'envoyer mon démo. Je sais pas dans quelle boîte courriel il est tombé, là, mais j'aimerais ça qu'il tombe dans la boîte du grand boss. Puis il était de connivence avec moi, il a été cool. Puis il m'a dit qu'il allait faire son possible. Puis
j'ai le goût de dire 30 minutes après, il m'a rappelé, il m'a dit ce soir, tu vas avoir un appel de Charles Perrault, là, good for you. Fait que, puis Charles Perrault m'a engagé le lendemain, en fait. C'était assez rapide, ça. Ben oui. Mais tu sais, je ne me vantais pas de connaître tous les sports. Là. Moi, je connaissais le tennis, je connaissais le hockey. Puis il m'a dit, correspondante à Québec, c'est parfait pour toi, tu vas faire tes classes, puis etc., etc. Puis bon, fait que c'est comme ça que ça a commencé. Mais tu sais, au début, j'avais peur par rapport à certains sports, mais tout s'apprend. Effectivement. Définitivement. Moi, j'ai aussi lu que tu étais une passionnée de politique américaine. Oui, oui. Ben, en fait, l'actualité. C'est ton... Oui, c'est ça, l'actualité politique américaine. T'as-tu suivi les dernières élections? Non. Oui, bien oui. C'est une blague. Qui n'a pas suivi les dernières élections? Oui, mais ça... Moi, je trippe. Oui. Okay. Ben, juste, en fait, avant de vous parler, je regardais CNN encore. Là. Moi, je trippe. Okay. Ouais, t'es une touche Trump, à tout, là, c'est ça, t'es une touche à tout. Là. C'est pas juste le sport. T'es à LCN la fin de semaine, t'as couvert des autres choses que le sport. Puis est-ce que c'est ça que t'aimes, couvrir autre chose, ou t'aimerais ça juste être dans le sport, ou juste peut-être éventuellement être dans l'actualité? T'aimes ton rôle de touche à tout? En fait, avant 2020, je m'étais déjà posé la question, puis je m'étais dit un jour, quand j'aurais fait le tour du jardin dans le sport, ou si... X, Y raison, ça ne fonctionne plus ou on ne veut plus de moi, j'aurai toujours le plan B de l'actualité parce que ça m'intéresse beaucoup. Puis 2020 arrive, Mercure en Jupiter fait que, avec tout ce qui est arrivé, on m'offre de faire les deux. Puis j'aurais jamais cru ça possible, mais là je suis sur mon X, là, parce que je trippe autant au sport que je trippe le week-end à SN. Puis en plus, tu sais, c'est. Moi, j'aime ça, j'aime l'adrénaline du direct. LCN me permet beaucoup de faire ça, le sport aussi, je suis curieuse, j'aime ça poser plein de questions. Fait que vraiment de pouvoir en apprendre sur tout, autant le sport que l'actualité tous les jours. Moi, je suis nourrie en fait en ce moment, je suis vraiment, je suis repue, là. J'ai assez mangé, je mange. OK, ça sonne super mal ce que je dis, mais... Je n'irai pas jusqu'à là, ben oui, nourrie, oui. Je suis bien oui, nourrie intellectuellement, voilà. Ouais. Parfait, c'est excellent. Qu'est-ce que tu dis? Je suis gaffeuse aussi. Qu'est-ce que. Gaffeuse? Dans ce que je dis. OK. <ouais. rire> Mais non, ça va. On apprécie même ça d'un certain sens. Là. Mais moi, je voulais savoir qu'est-ce que tu penses qui fait que tu es là, que tu es capable de toucher à tout quand souvent les journalistes vont être dirigés vers un topo ou un segment. Là, si on veut que ce soit le sport, l'actualité, les arts et spectacles, toi, tu peux toucher un peu à tout. Qu'est-ce qui fait que tu es. Que tu es en mesure de le faire? Je reviens à la curiosité, tu sais, puis à faire ses devoirs. Quand tu ne maîtrises pas un sujet, tu cherches pour en savoir plus. Mais juste la curiosité, tu sais, j'ai des gens autour de moi qui sont plus jeunes, puis je vois que quand ils arrivent dans une conversation, ils ont une opinion sur rien, ils ont lu rien, on leur apprend tout, ils apprennent tout ce qu'on leur dit. Alors, moi, je veux tout le temps arriver, puis peut-être, je remonte à mon bac en droit, peut-être que c'est ça aussi, c'était un peu comme ça à l'époque en termes de préparation. Moi, je veux toujours avoir une opinion sur quelque chose, l'avoir lu, l'avoir vu, l'avoir... Alors, ouais. Tu sais, c'est super, je sais pas, c'est pas dire que c'est une valeur chez moi, mais tu sais, je veux tout le temps être on top of things, fait que je lis tout, j'aime ça. Je m'identifie aussi à ça, j'aime ça m'ostiner aussi, puis j'aime ça au moins en savoir, comment on dit, la surface du sujet là, au minimum, puis si je peux l'approfondir, tant mieux. T'sais. C'est ça, c'est juste pas arriver désemparé dans une conversation, exact. C'est quelque chose qui me motive souvent, fait que ça fait que je m'intéresse à plein d'affaires. Est-ce que, parce que moi et David, on a reçu d'autres femmes au podcast, donc Julie Gosselin, on a eu Catherine Reich et Daphné Malbeuf, entre autres, puis il y avait tout un peu ce côté-là. Ce côté, il faut savoir de quoi qu'on parle parce qu'on est dans un milieu sportif et qu'il y a beaucoup d'hommes. Elles sont curieuses. Est-ce que le fait d'être une femme, c'est ça ou c'est vraiment ta nature à toi? C'est ça pas rapport, c'est vraiment à toi? Moi, je dirais que c'est ma nature à moi. J'ai toujours, même à l'école, là, j'étais la fatigante qui avait la main en premier pour donner la réponse. Là. Fait que, tu sais, j'ai toujours été une petite botte. J'étais dans le génie en herbe, OK? T'as une idée, là? J'ai facteur cool, zéro. C'est ça, fait que tu sais, c'est naturel chez moi de vouloir faire mes devoirs, justement pour ne pas avoir l'air, tu sais, prise au dépourvu. Fait que je dis pas nécessairement que c'est féminin. C'est sûr que tu ouvres la porte à plus de critiques quand tu es une fille
si tu ne sais pas nécessairement de quoi tu parles. Clairement. Mais les gars aussi, tu sais, les gars aussi, si tu dis des niaiseries, que tu sois un gars ou une fille, là. Alors, mais oui, au début, surtout dans les sports que je ne maîtrisais pas nécessairement, j'arrive à Montréal, dans la grande ville, loin de ma famille, j'ai 25 ans, je ne connais personne, je suis à TVA Sport, on me plug comme la fille de sport, puis tu sais, je ne peux pas full te parler de basket, là, tu sais, à cet âge-là, là. Puis pas tant que ça de baseball. Fait que, tu sais, j'ai appris. Fait que, c'est ça. J'ai fait mes devoirs, mais j'ai aimé ça aussi, là. C'est le fun aussi. Ben oui. Mm. Avoir l'esprit ouvert, puis vouloir apprendre, je pense que c'est une des formes d'intelligence les plus négligées, là, dans le monde où on vit. Là, tu couvres l'impact pas mal. Mm-hmm. Je n'ai pas le choix de t'en parler, là, vu qu'on est en plein dedans présentement, mais l'impact vient d'annoncer, son alignement de 25 joueurs pour 2021. Boyan n'en fait pas partie. L'impact change de nom bientôt, officieusement, bientôt probablement officiellement. C'est quoi ton opinion là-dessus, l'impact qui change de nom, puis ensuite le non-retour de Boyan? Ben écoute, jusqu'à preuve du contraire, nous, on se fait dire que ce ne sont que des rumeurs. Alors, oui. Je peux juste me prononcer à si l'impact changeait de nom. OK. Si l'impact changeait de nom, je présume que c'est pour y aller avec quelque chose d'encore plus fort, qui se positionne encore plus. On a souvent dit que l'Impact était une des équipes qui était vraiment regardée très peu par la MLS, par les autres équipes. Donc, peut-être que c'est pour y aller d'un statement. C'est sûr que ça va déplaire à certains. C'est sûr que ça va plaire à d'autres. Mais je pense que si c'est pour arriver, je trouve pas que c'est une mauvaise idée que ça arrive là. On a eu une année très compliquée là, en 2020 dans le monde du soccer et de la MLS. Et avec... Là, on sent qu'il y a un shift là, avec Olivier Renard qui arrive et qui commence à placer ses pions. Alors, on a l'impression que ça va être comme un renouveau. Là, puis c'est peut-être le temps de le faire, le switch. C'est vieux de la MLS d'avoir un nom comme ça. C'est le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, l'Impact de Montréal. Normalement, maintenant, c'est les villes. Hein? Maintenant, c'est Austin, Nashville, Miami. Maintenant, alors, peut-être que l'équipe veut se positionner comme ça. Encore une fois, je ne sais pas si ça va se passer. Mais Kevin Gilmour a été engagé pour faire du marketing. Apparemment, il est bon là-dedans. Donc, je fais confiance. Mais c'est sûr que ça va faire jaser. Il y a une bonne renommée ce côté-là, oui. Puis Olivier Renard, comme tu dis, j'écoutais Olivier Brett aujourd'hui. Puis c'est la première fois qu'il y a une stabilité puis qu'il y a une constance dans les décisions qu'on parle. Une cohérence, oui, effectivement, qui va faire qu'on prend une décision, on parle d'un pattern, mais on le suit sans changer d'idée aux 6 mois. Là. Donc, tu partages ton opinion-là aussi. Bien, je pense qu'à tout le moins, tu sais, et lui et Thierry Henry, quand Henry est arrivé, a dit « ce ne sera pas de suite, là ». Calmez-vous, là, tout le monde. Là. Ça va, tu sais, pour ne pas employer le terme, on reconstruit, là, c'est un peu ça. Là, il y avait des gros contrats qui ont été donnés. Saphir Taider est parti. Routi, il prend encore beaucoup d'argent, mais c'est la fin bientôt. Rudy Camacho aussi, sans dire nécessairement qu'ils vont quitter, là, mais tu sais, on sent que Olivier Renard est en train vraiment de créer une équipe très, très jeune. Et si Henri reste à la barre pendant plusieurs années, je pense qu'il y a ce qu'il faut pour leur modeler le cerveau en termes de système de jeu. Alors, honnêtement, moi, je suis excitée de voir la saison 2021 et encore plus probablement celle de 2022. J'allais t'amener vers Thierry Henry, justement, parce que Thierry Henry, c'est un peu... c'est pas un entraîneur de carrière, mais toi, en ayant été dans l'entourage, qu'est-ce que Henry amène à cette équipe-là? Puis est-ce que, sans dire, est-ce que c'est l'homme de la situation, parce que c'est peut-être pas la bonne question, là, en fait, là, mais... qu'est-ce que lui amène étant, tu sais, c'est comme le Wayne Gretzky du hockey, là, tu sais, c'est gros, les gens le regardent, c'est sûr qu'il le voit avec de la passion, là, Thierry Henry, mais qu'est-ce que lui amène à cette équipe-là, puis qu'est-ce qu'il peut amener dans les prochaines années, malgré les rumeurs de départ là, qu'on a vues cette semaine? Je pense que c'est Amar Sedic qui l'a bien dit récemment. Il dit, même quand il ne s'adresse pas à moi, je veux écouter ce qu'il dit, parce que la façon que son cerveau fonctionne est hallucinante. Alors, je pense que ceux qui sont curieux, ceux qui vraiment aiment le foot, s'ils s'agglutinent autour de Thierry Henry, ils vont apprendre beaucoup. Il y a une vision, il y a une tactique. Il a l'air assez intransigeant dans les gens qui se donnent des excuses. Ouais. Ça, entre vous et moi, c'est bon. Si tu veux que ton équipe gagne, il ne faut pas que tes joueurs soient sur le terrain en train de se donner des excuses. Alors, moi, j'aime ce côté-là de sa personnalité. Évidemment, avec les médias, ça fait rire tout le monde parce qu'il est...
il peut être sec. Et ouais. Moi, personnellement, j'ai pas encore été trop la cible de ses foudres, alors je vais toucher du bois. Mais tu sais, tu sens que c'est... Il mange le foot, puis il va vraiment, je me répète, mais modeler le cerveau puis le QI football de ces joueurs-là d'abord et avant tout. Je pense qu'à la fin de la journée, c'est en plus, avec tout ce qu'ils ont vécu en 2020, l'adversité, sont soudés, unis. Même lui, probablement, a dû apprendre, il l'a dit aussi, qu'il a appris beaucoup sur lui cette année, sur la compréhension de l'humain. Alors, cette impatience-là qu'il y avait peut-être à AS Monaco, peut-être que soudainement, il y en a eu un petit peu plus ici. En raison des circonstances. Alors, je crois. Moi, j'aurais le goût de dire que c'est l'homme de la situation parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Même quand il perdait, j'aimais beaucoup plus, sans rien enlever à Rémi Garde, c'était pas mal plus agréable de regarder l'Impact cette année, malgré des bugs. Ouais. Mais tu sais, le style de jeu était plus intéressant. J'aime sa philosophie de ouais, allez-y, faites des erreurs, mais essayez par exemple. Ouais. Et ça, je pense qu'avec plein de jeunes, je pense que ça va être bon. Mm-hmm. Est-ce que c'est intimidant s'asseoir la première fois avec lui pour une entrevue? Ben moi, personnellement, il n'y a pas grand monde qui... Moi, j'ai juste Federer qui m'a intimidé dans la vie. Mais là, je l'ai interviewé comme 32 fois. Fait qu'il m'a intimidé. Ouais. Mais non, c'est pas intimidant. J'ai vite compris que j'avais affaire à quelqu'un qui réfléchissait différemment. Fait que ce qui était intimidant, c'est de te dire « Émile, brillante, ta prochaine question, Fred! » Parce que, fait que c'était plus genre « Ok, es-tu assez intelligente, ces questions-là? » Mais c'était plus ça, mais non, pas particulièrement. Puis, Corb, je m'excuse, j'ai juste envie d'aller sur un... Parce que à chaque fois que je pose la question à quelqu'un qui est dans le milieu du journalisme, à chaque fois, c'est « Ben non, moi, je suis quelqu'un de professionnel, puis ça ne m'intimide pas, ou je ne suis pas... » Tu sais, quelqu'un qui va au Super Bowl en demandant à Gunther, « Ouais, c'est ça, tu sais, c'est pas « Wow, wow, wow », c'est tout le temps... » Comment est-ce qu'on fait pour apprendre ça? Est-ce que c'est l'expérience ou c'est la première fois en sortant de l'école, ben tu es comme tellement focus sur ton travail qu'avec le temps, tu finis par devenir une journaliste là, qui est plus fan puis qui n'est pas intimidée? Ben moi, j'ai énormément de respect pour les gens qui ont accompli des choses, les gens qui ont changé des choses. Fait que ces gens-là vont m'impressionner, mais pas intimider. T'sais, je veux dire, quand je me suis assise avec Thierry Henry, je savais c'était qui. Je me souviens, justement, il était dans une pub avec Federer Gillette là, à l'époque. Là. Puis, je sais pas c'était qui, c'était-tu Lewis Hamilton, en tout cas, peu importe, qui était avec. Puis, sûrement pas, ça fait trop longtemps, mais je savais c'était qui, je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool, mais je pas intimidée, c'est peut-être juste dans ma nature. Oui, probablement. Là, je te ramène plus en arrière, mais toi, Frédéric, as-tu pratiqué des sports tennis, soccer pour t'intéresser comme ça? Non, pas vraiment. J'ai jamais fait partie de sport d'équipe. J'ai joué à un moment donné à cause de mon intérêt pour Federer. Je suis allée m'acheter une raquette puis j'ai commencé à jouer, mais tu sais, un peu autodidacte. Je me suis dit, j'avais peut-être fait un camp de tennis pendant une semaine quand j'avais 11 ans, là, mais tu sais, c'est tout. Là. Puis c'était un peu hasard. Là. Ma mère a dit, on va te parquer là le mois de juillet. Mais c'est tout. Là. J'ai pas vraiment joué à ça. Mon frère a joué au hockey longtemps, donc j'ai fait beaucoup d'aréna pendant un bout, mais j'ai pas joué. Je l'ai observé. Là. Simplement. OK. Oui. C'est plate comme réponse. Ben non, je m'attendais pas à ça, mais c'est pas plate. C'est un autre parcours, c'est un autre chemin. Habituellement, c'est pas ça qu'on entend. C'est sûr, tu l'as déjà dit ailleurs, mais j'ai envie de te l'entendre dire. Federer, pourquoi à ce point-là? Parce que c'est pas juste une petite amourette. Là. Tu l'aimes, là, Federer. Là. C'est assumé. Là. C'est plus running gag, quand j'étais plus jeune, c'est comme. C'est mon futur mari, là. Dans toute franchise, moi, j'ai toujours trouvé très, 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 très beau. Mais son talent, sa classe, sa démarche. J'ai eu un kick jeune, mais tu sais, quand j'avais un kick, j'étais pas dans le domaine. Ouais. Quand j'avais un kick, j'avais 20 ans, là, puis j'étais comme, oh my God, je m'en suis rencontré un jour pour l'interview un jour, puis tu sais, il parlait français, puis allemand, puis suisse-allemand, puis oh my God, je trouvais que dans le terme de accompli, là, tu sais, les gens qui m'impressionnent, c'est ça m'impressionne, dans le sens que ça va ailleurs, là, tout ce qu'il fait puis tout ce qu'il représente pour son sport, là, c'est ça. Ouais, probablement, si j'avais été une fan de foot, probablement que Thierry Henry m'aurait fait le même effet là, quand j'étais plus jeune, mais comme mon amour venait surtout du tennis, c'est surtout Federer là, qui m'a... Okay. Ouais.
plus. Donc, à la base, c'est une attirance physique qui s'est créée. Ben non, mais ensuite, il est beau, non? Écoute. Oui, j'ai fait des erreurs. C'est mon belle, genre. Oui, vraiment. Eugénie Bouchard. Oh non, là. Ben oui, mais oui, un peu, là, tu sais. Non, mais on est chanceux. Tu parlais d'Eugénie, en plus, tu nous amènes, là. Ben oui. Ah, bon. Tu l'interviewais à maintes et maintes reprises. Tu as une photo avec elle sur Instagram. Elle a l'air d'être... T'as l'air... Ben, c'est plus toi, je l'ai petite, hein? Elle est grande. C'est fou. C'est quoi la différence entre vous deux? Moi, je suis particulièrement petite, fait que la différence avec moi et n'importe qui est assez grande. non, moi, je fais 5 pieds 1. Alors, elle, je pense qu'elle fait 5 et 10, une affaire comme ça. 5 et 10, okay. Puis elle avait des solides talons, alors je suis quand même à le dire sur la photo. C'est important. Est-ce que tu as connu le succès et la descente d'Eugénie, toi, tout le long en jasant avec elle, en l'interviewant? T'as-tu vu quelque chose changer en elle pendant ces temps-là? Tu peux dire, j'ai mis le doigt dessus, c'est ça. Parce qu'on entend des rumeurs à gauche, à droite, il y a bien des choses qui ont été répertoriées, comme sa mère est trop dans sa vie, elle est trop Instagram. Mm-hmm. T'as-tu quelque chose, toi, t'as-tu une opinion là-dessus qui dit, je pointe ça là-dessus? Mon opinion a beaucoup changé, en fait, au cours des années. Puis je pense que ça a changé parce qu'elle a changé. Mm-hmm. Tu sais, t'es arrivée très jeune. N'importe qui à cet âge-là, n'importe quel psychologue va te dire que de 18 à 25 ans, là, tu bâtis ton égo. Fait qu'ajoute Instagram à ça, ajoute les gens qui donnent tellement d'attention. C'est normal qu'elle se soit perdue un peu là-dedans. À un certain moment, je me souviens, là, je l'avais trouvée très maigre. T'sais, je trouvais que elle avait peut-être plus le corps fait pour jouer au tennis. Okay. Pour quelle raison, je ne sais pas. Là, ça lui appartient. Mais là, depuis quelques années, ce que je remarque plus sur Instagram, sa façon de gérer les médias sociaux, soudainement, elle est comme plus posée. Je trouve que physiquement, elle a l'air bien. Mais je pense que c'est une fille qui est vraiment pas cave. C'est une fille intelligente. Et je crois qu'elle a besoin d'avoir du fun et un objectif pour peut-être aller plus loin. Je sais qu'à un moment donné, elle a eu un entraîneur dont le nom m'échappe. Puis elle avait l'air vraiment là de même. Puis soudainement, elle s'est mise à gagner. Fait que je disais, OK, elle a du fun à l'entraînement. C'est clairement, ça, she's in a good space. Là. Alors, je pense que c'est ça dans son cas. Mais écoute, là, je suis dans une hypothèse. Le problème peut-être dans tout ça, c'est qu'elle a monté tellement vite qu'on s'attend à ce qu'on s'attendait à ce qu'elle reste en haut de la pyramide comme ça aussi. Je pense que ça n'a pas aidé non plus. Les réseaux il y a quand même un moment où elle a... Tu sentais qu'elle mettait moins d'efforts aussi dans son jeu. Oui, tout à fait. C'est ça. Là, il y a une petite parenthèse. Là. Ouais. J'ai envie de t'entendre parce que tu es quand même impliqué beaucoup là, dans les réseaux sociaux. Tu es présent, surtout sur Instagram. Active. Qu'est-ce que j'ai dit, présent? Peu importe. Ouais. Je suis en présentiel sur Instagram. L'importance des médias sociaux pour les sportifs. J'ai envie de t'entendre là-dessus. Je trouve ça, moi, personnellement, je trouve ça quand même, tu sais, ça peut détruire des carrières, ça peut en monter des carrières. J'ai envie de t'entendre parce qu'il y en a qui se plantent carrément. Il y en a comme Eugénie qui vont faire jaser, mais c'est bon pour elle. Tu sais. Juste envie de t'entendre sur les réseaux sociaux dans l'espace. Ça a tellement changé avec les années. Qu'est-ce que ça apporte à quelqu'un qui s'implique comme Jeannie ou d'autres présentement? Il va falloir faire une étude de ça dans plusieurs années, mais parce que c'est encore relativement nouveau. Mais moi, personnellement, tu sais, une des raisons pour lesquelles j'aime vraiment le sport, là, c'est que tu peux vivre tout le spectre des émotions. Tu peux pleurer tellement que tu es contente que ton joueur ait gagné ou whatever, mais 20 minutes après, c'est pas grave. Que tu es braillé de joie ou de peine, là, 20 minutes après, les pattes, là, ça bouge sur le feu. Là. Fait que, tu comprends? Alors, alors moi, j'aime ce que ça permet c'est pas sérieux. C'est sérieux, mais c'est pas sérieux. Ouais. Les réseaux sociaux pour des sportifs, why not? T'sais, je veux dire, le but, puis je pense qu'on le voit de plus en plus dans les dernières années, on veut juste s'attacher, on veut être best buddy avec LeBron. Moi, je suis Nick Kyrgios, puis j'aime ça le voir jouer à Call of Duty, tu sais, je veux dire, j'aime ça le voir qu'il y a une blonde maintenant, puis il y a donc bien l'air plus sain entre les deux oreilles, tu sais, je veux dire, je trouve que ça nous permet de nous attacher encore plus. Évidemment, pour eux, ça fait en sorte que ça peut devenir des petites PME, puis là, c'est à leur entourage de gérer l'ego, puis le branding, puis les erreurs de parcours, mais ultimement, tu sais, êtes-vous pas content, vous, de pouvoir être super proche de
bon, pas Carey Price, là, c'est pas un bon exemple, il n'est pas full sur les réseaux sociaux, mais sa femme s'en occupe. Ouais. Je suis sa femme d'ailleurs. qui ne la suit pas? Mais, ouais, c'est ça. mais je regardais. Mais en passant, c'est la blonde de Jeff Petrie qui est particulièrement le fun. Ah ouais? Ah oui, ok, ah, c'est ouais, bon, ouais. Ça va. Ma blonde va aller suivre ça à ce moment-là. Ouais. J'ai regardé le Social Dilemma l'autre jour, puis il y avait Kyrie Irving. Je ne sais pas si tu as vu. Kyrie Irving, un jour, s'est ramassé dans le rabbit hole de YouTube, puis il faisait vidéo en vidéo. Puis après ça, il est allé déclarer ses réseaux sociaux qu'il pensait que la Terre était plate après avoir écouté 1 million de vidéos. Il y a quelque chose de beau et de le fun là-dedans pour nous, l'amateur moyen, voir un gars qui a des millions de followers faire un statement puis devoir se retirer en se rendant compte qu'il a juste été trop longtemps sur YouTube. Moi, je trouve quelque chose de vraiment drôle et le fun là-dedans. Mm. Ça, c'est polarisant, les réseaux sociaux et le sport, je pense. Oui, ben puis veut pas, tu sais, ça te montre aussi sous ton vrai jour. Ça peut te montrer sur ton faux jour si tu mets 42 filtres et que tu fais un duck face. Ça, c'était mon... J'ai essayé. Mais sinon, ça peut... Tu sais, moi, je trouve que mon Instagram est un bon exemple. Il est séparé en deux. Tu as mes photos, là, où je suis comme toute souriante devant un écran, devant ma job, parce que, bon, si jamais tu veux savoir ce que je fais, c'est les photos qui sont belles et sont bien éclairées. Mais moi, là où je m'amuse, là où tu peux me connaître davantage, c'est les stories, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que ça permet aussi de savoir comment la personne est véritablement dans la vie. Après ça, si quelqu'un croit que la Terre est plate, ben là, c'est bon. Il y aura des dommages probablement à sa carrière et tout, parce qu'on, ultimement... Oui. Mais en tout cas, je trouve que ça permet beaucoup d'en savoir sur les gens. Puis cette accessibilité-là, moi, je trouve ça cool. C'est pour ça que toi, tu es aussi présente sur les réseaux sociaux? C'est parce que tu veux que les gens te connaissent? Non. Non, comme je dis, je le vois vraiment différemment. Là. Comme je te dis, il y a la page photo. Mais dans les pages stories, j'essaie de... C'est sûr, j'essaie aussi d'être corporate, là, c'est-à-dire regarder, ouais. On fait un match à cœur, regardez-nous tantôt, tu sais, aussi. Puis ça me fait plaisir de le faire. Mais... Puis on me le demande pas, d'ailleurs. Hein. C'est juste que... Ben oui. Moi, je ne ferais pas connaître aux gens qu'on a un méchant CV, bon match qui s'en vient dans 5 minutes. Alors, tu sais, je l'ai fait. Mais aussi, moi, j'aime juste divertir, si je peux faire rire un peu. Tu sais, dans la vie, là, une des raisons pour lesquelles je me retrouve à la télé, c'est parce que j'ai toujours voulu essayer de soit t'instruire ou soit te divertir. Là, tu sais, t'informer, te divertir. C'est un peu ça. D'ailleurs, c'est un peu mon approche au sport. Tu sais, je ne serais jamais la fille. Je vais t'en dire là, des stats là, parce que je sais qu'il y en a une couple qui veulent l'entendre, là, mais. Je préfère de loin poser une question qui est moins sur ouais, fait que le 4-3-2-1, qu'est-ce que pour le prochain match contre la telle équipe? Tu sais, je suis moins de même. Oh, moi, je suis plus c'est une question plus émotive, peut-être, ou une question plus je veux pas dire, je veux pas dénigrer les autres questions. Une question très, très peut-être plus féminine ou plus divertissante ou plus. Ben, c'est ça, c'est que tu as un public, peu importe, je pense pas que c'est ça qui va. Ben, tu vas avoir un public qui va aimer bien mieux ta question que si on parle d'une moyenne au bat de 318 en temps d'apparition. Il y a beaucoup de monde qui n'écoute pas le sport à cause qu'il y a trop de statistiques, justement. Ouais. Fait que je pense qu'il y en a qui vont apprécier le côté de vulgariser et de dramatiser un peu ce qui se passe en y allant avec une petite pointe d'humour ou peu importe ton style, comme je dis. Oui, puis je ne sais pas si vous avez déjà regardé un avant-match avec moi, Fred Laure, Vincent Détouche, je fais ça, mais tu sais, on s'amuse, on déconne un peu. Là. Il y a c'est moitié sérieux, moitié on s'agace l'un envers l'autre. Fait que, tu sais, je trouve qu'ultimement, à la télé, les gens qui nous regardent, c'est nos buddies. Là. Tu sais, venez faire le party avec nous. Tu sais, je trouve ça beaucoup plus divertissant que faire comme, bon, voilà, alors au tableau, tel jeu défensif, c'est pas très bon. Puis, tu sais, oui, OK, on peut en parler, mais il faut aussi... C'est de la télé. C'est de la télé. Ouais. Mais c'est de l'entertainment. Mais ça m'amène à... Tu as commencé en 2011. On est rendu en 2020. As-tu vu un changement, ce côté-là, sur la liberté de vous exprimer à TV? Comme... Moi, je pense que notre génération, je ne sais pas de quel âge, Frédéric, mais notre génération, on aime ça un peu plus, moins casual, moins corporate, je veux dire plus casual. De regarder la TV, puis à la limite, là, j'exagère, mais lâcher un sac ou juste lâcher son fou, rire, t'sais, que ce soit accepté, puis même valorisé. T'as-tu vu ce changement-là ou ça a toujours été? Moi, je suis arrivée à TVA Sport avec des jeunes. T'sais, J.P. Burt, Michael Lalancette, Elisabeth Rancourt, on était relativement green. Là. Alors, on a forcément dans notre
cette notre génération, on est plus casual. Fait que, tu sais, ça a suivi. Je peux pas parler pour les autres. Moi, je pense que de pas se prendre au sérieux, c'est payant, tout en faisant notre travail sérieusement. Mm-hmm. C'était quoi ta question? Juste savoir si tu avais observé un changement de 2011 à 2020 sur ce sujet-là. Bien, je pense que les réseaux sociaux font ça aussi. Tu sais, on nourrit une certaine personnalité. Fait qu'après, tu peux pas être de même là. Puis mm-hmm. pas... En fait, moi, honnêtement, ce qui me gosse le plus en télé, c'est puis je nommerai pas de nom, là, je te le dis tout de suite, mais quand j'ai vu des gens en onde et sortir des ondes, tu peux pas être pareil. Moi, ça me flabbergasse que tu sois pas la même personne. Non. Mais ça peut être aussi dans d'autres médias ou au général ou quoi que ce soit. Mais tu sais, la personne est quelque chose en onde, sort des ondes, pas pantoute comme ça. Je suis comme, c'est quand même une déception, ça. Tu sais, sois toi-même, fait que c'est ça. Est-ce que les médias, justement, non traditionnels comme les podcasts, les blogs, il y en a tellement dans les dernières années, est-ce que ça force la télé à, justement, changer un peu, justement, être plus cosy, être plus funny à la télé qu'être trop sérieux, trop direct, trop strict? Les gens veulent des accès. Les gens veulent, comme je dis, là, tu veux connecter, puis de toute façon... le documentaire léché va t'en apprendre sur telle ou telle personne, mais si tu suis son compte Instagram pendant 3 jours, tu vas en apprendre peut-être plus sur telle ou telle personne. Fait que, non, je pense juste... Il y a de la place pour tous les médias, mais je pense qu'ultimement, qu'on veut, c'est avoir accès puis connaître davantage le sportif ou la sportive qu'on aime. Ou la journaliste ou le journaliste. C'est nous autres, c'est un peu ça qu'on fait dans... Le concept de notre podcast, c'est d'amener du monde, toi, pas tellement ton cas, mais du monde peut-être des fois un peu moins connu au Québec, mais qui œuvre dans le domaine du sport, justement donner une plateforme, parce que nous, premièrement, on adore ça, faire ça, on se crée un mini-lien avec la personne, mais c'est surtout pour le monde, comme monsieur, madame, tout le monde, qui vont nous écouter, vont dire, OK, je ne le voyais pas du tout sous cet angle-là, cette personne-là, là, je le vois corporate à la TV, là, il s'en vient parler, comme toi, tu fais des jokes, il y a du monde qui te connaisse moins, tu nous lâches une coupe de bombe sur Montréal qui ressemble à une rouquine, moi, j'adore ça. Ça entre les dents. C'est ça, mais je pense que ça va juste... Je pense que ça va juste bien passer, tu comprends? C'est de voir une autre facette de la personne. Ouais. Moi, j'ai le goût, je sais que moi et Jeff, on fait ça, mais j'ai le goût de t'amener sur des noms de personnes. On dit quelques noms, puis tu nous dis, cette personne-là te donne quoi comme feeling? Tu dirais quoi sur cette personne-là? Au lieu que toi, tu nous donnes des noms. On le sait. Mais vas-y, Jeff, passe ça. Non, j'allais dire, au lieu que toi, tu me donnes des noms, on va t'en donner. Félix Auger, Eliassim. Douance. OK, excuse-moi, il faut que je te donne un mot ou que je t'explique. Non, mais je veux dire, c'est un... Comme tu veux. Tu peux en parler pendant 2 minutes, si tu veux. C'est un surdoué. Je lui souhaite d'être bien entouré. Puis je dis pas qu'il l'est pas, là, mais je veux dire, je lui souhaite d'être bien entouré parce que je pense qu'il peut aller extrêmement loin. Il a tout pour lui. Et le charisme, ça ne s'achète pas. Et Dieu sait qu'il est charismatique. OK. Moi, j'en ai un que j'ai vu sur ton compte Instagram, puis c'est un gars que j'ai suivi toute ma vie, mais Zlatan Ibrahimovic. Je veux savoir comment ça s'est passé. Un peu déçu. J'ai été un petit peu déçu parce que je voulais pas me prendre au sérieux dans mes questions avec lui. J'ai essayé parce que je savais qu'il était comme étant ce qu'il était, puis capable de répondre ce qu'il est capable de répondre. Fait que je me suis dit, je vais essayer de provoquer ça. C'est une réponse un peu plus zlatanesque que plutôt parle-moi de ton défi d'affronter l'impact cet après-midi. Ah ouais. Ça me tentait moins. Mais. T'as tombé flat un peu. Il me regardait pas. Je pense qu'il avait hâte de... C'était vraiment... Je pense que je devais être la 18e personne qui parlait cette journée-là parce que c'était le passage à Montréal et tout. Fait que, tu sais, j'ai trouvé ça un petit peu flat, mais qu'est-ce que je te dis? Il a le droit. Au nombre de fois qu'il est extravagant, il a pris un break cette fois-là. Oui, j'aurais aimé ça qu'il m'offre un moment Zlatan. Tu sais, ça aurait été incroyable, mais pour une autre fois. Next time, exact. Ouais. Moi, je t'amène vers un nom, puis là, t'as une photo, puis tu sais, c'est quasiment une idole pour moi. Là. Moi, je le suis depuis les tout débuts. Tom Brady. Ouais. Ça. OK. Est-ce que tu as vu que la photo, c'est crédit Didier Drogba? Non, j'ai pas vu. OK. Est-ce que je vous raconte cette histoire-là? Ben oui. Ben oui. OK. Ben oui. Alors, je vais essayer de faire ça vite parce que c'est long, mais en gros, mon affectateur m'envoie interviewer Tom Brady. On est plusieurs médias à se pointer. C'est à l'Hôtel W à Montréal. C'est dans le cadre du week-end à F1. Lui, il est là avec Didier Drogba et Ricardo. Daniel Ricardo. Daniel Ricardo, oui.
C'est parce que j'avais Ricardo Trogi en tête. Je ne sais pas pourquoi. Alors qu'il était là et eux, ils venaient faire la promotion. C'est un événement tag UR, là, c'était les montres. Mm-hmm. Tout ça pour dire que nous, les médias, on attend. On attend. Puis éventuellement, la PR a dit en passant, je suis désolée, mais vous ne rentrez pas. Tom, il accorde des entrevues à personne. Les seules personnes à qui il va accorder des entrevues, c'est des médias qu'on a fait venir d'ailleurs dans le monde. Puis c'est des entrevues sur les montres. Fait que là, on est tout un peu. Fru. Oh, ouais. Mais moi, pour une raison que j'ignore, je continue à parler. Tout le monde s'en va, tous les médias s'en vont. Puis moi, je continue à parler un peu avec la PR. Puis on s'entend bien, puis ça clique et tout. Puis à un moment donné, je dis, laisse-moi donc rentrer. C'est parce que c'était une petite pièce dans laquelle il allait, ces 3-4 journalistes allaient pouvoir être là. C'était genre un Suisse, un Danois, un Français, un Espagnol qui venait parler de la montre. Je dis, laisse-moi donc rentrer. Je ne poserai pas de questions, mais à la toute fin, je vais peut-être en essayer une. T'sais, si jamais je vois que je peux, puis au pire, on aura du visuel, puis on ne t'écœure pas plus que ça. Puis elle me dit oui. Elle me fait rentrer. Puis là, les questions, my God. Le journaliste suisse dit, alors Tom, qu'est-ce que ça représente le temps pour vous? Puis là, lui, il commence à parler des chronomètres. Oh, yeah. Que c'est important. En tout cas, whatever, c'était plate à mort. Puis là, à un moment donné, je sens que ça baisse, tu sais. Fait que là, je suis comme, OK, c'est mon cue. Puis je suis super loin, en plus, avec mon micro. J'ai peur que mon micro se rende pas loin, puis je suis vraiment dans le fond de la pièce. Je dis, Tom, je dis, fais-y jouer à Montréal, toi, pour les expos. Fait que là, il me fait un super sourire, puis il commence à parler là-dessus. Je fais, ah, super, tu sais, j'ai ma clip. Fait qu'au moins, j'ai ça. Wow. Alors là, tout le monde se lève, tout le monde s'en va. Mais Didier, là, puis moi, Didier, je le côtoie à l'Impact de Montréal à ce moment-là. Alors, probablement que, tu sais, il est impressionnant quand même, Tom Brady, en personne. Puis je vais le dire à ces dames qui écoutent, pas mal plus beau en personne qu'en photo. Fait que, tu sais, je suis un petit peu... Ah, ben, guess what? J'ai été un petit peu impressionnée de par, je sais pas, l'atmosphère qu'il y avait. Okay. Et là, Didier se tourne vers moi, puis il me dit, Fred, tu veux que je te pose avec Tom? Puis je fais comme, ben, oui, merci, Didier. Tom, take a picture with her. Fait que, sure. Fait que, il prend une photo avec moi. Fait que, le crédit photo, Didier Drogba, de ma photo avec Tom Brady. Malheureusement, il y a un photobomb d'un journaliste qui a posé une question sur le temps, dans le fond, mais pas grave. Ça reste un fait d'armes assez c'est bon. Puis ta question, excellente, là, je tiens à te le souligner. Il a élaboré là-dessus un bout? Moi, je me souviens plus trop ce qu'il dit, mais il dit qu'il fallait qu'il fasse un choix à cet âge-là, mais qu'il a hésité, mais que oui, il aurait pu habiter ici, puis ça aurait été une super belle ville, tu étais super politiquement correct. Ouais. Mais tu vois dans sa face qu'il était au moins content de répondre à cette question-là versus toutes les niaiseries qu'il venait de dire avant. Oh, j'en doute pas. Raphaël Nadal. Raphaël Nadal, gêné, le fun. Oh, moi, il est super gêné. Ouais, c'est. Mais. Poli fois 10 000. Moi, je fais ma préparation de la Coupe Rogers. Je la fais dans le salon des joueurs, en fait, si tu veux, là, ou en tout cas dans l'espèce de petite cafétéria des joueurs au stade IGA. Uniprix, IGA. IGA maintenant. Oui, c'est ça, je suis mêlée. C'est ça. Puis lui, il était là, puis il jouait au Parchési avec sa gang tous les jours, toutes les minutes quand il n'est pas en train de s'entraîner ou de jouer. Puis à chaque fois que j'arrive, il se levait de sa table, venait à ma table. « Hi, how are you doing? » Je suis comme, « Ça va bien, merci. Toi, tu gagnes-tu? » Il fait « Ah! » Puis il retourne s'asseoir. Tu sais, c'était super poli. Ah, je l'ai revu à Genève. Non, il est vraiment trippant. Il fait des belles entrevues. Juste avant un match, il peut être un petit peu plus sec, mais dès que c'est fini, il est le fun, il est gêné, il est poli. C'est admirable. Admirable, cool. Ce serait mon mot. Ouais. Cool. Moi, j'en ai un dernier pour toi, puis tu le vois le soir. Dave Morissette. Ah, Dave. Hey, Dave, c'est... Tu sais, Dave, fin fois mille. C'est un gars qui a le cœur à la bonne place. Moi, en faisant l'émission que j'ai faite avec lui, Destination Coupe Stanley, ça a été incroyable. Là. Il m'a laissé de la place. T'sais, c'est lui la vedette, entre guillemets, là, de TVA Sport, là, mais il m'a laissé de la place. J'ai appris, on a ri ensemble. Que du bon à dire sur Dave. Je l'adore, puis... Tu peux pas être bien en sa présence. Tu te mets à l'aise, il fait rire. Moi, sa rapidité, sa vivacité d'esprit pour les blagues et tout, moi, j'ai en grande admiration devant ça. Cool. Je veux juste te poser une question parce que tu sembles pas, là, parce que selon tes réponses, mais je me l'étais écrit puis je veux te la poser. T'as-tu un modèle, quelqu'un que tu veux copier là-dedans? T'as-tu, en journalisme, là, je parle. Ouais. Es-tu un mentor, peut-être? Mais non, parce que moi, je suis un peu par hasard.
tu sais, dans le sens, comme je t'ai dit, moi, le but, c'était d'interviewer Federer. Fait que c'est pas comme si j'avais... Non, mais je dis ça parce que souvent, on me demande, est-ce que Chantal Maccabée a été ton modèle? La réponse, c'est non. J'admire ce qu'elle fait, je la trouve trippante, elle est tellement fine, Chantal, vraiment, je l'adore. Puis tellement fine. Tu sais, c'est les filles, on sait c'est quoi, les pour avoir de la compétition, mais elle, Zorgan Barr, elle est vraiment trippante. Mais ça n'a pas été un modèle parce que j'ai... C'est pas pour ça que je suis rentrée dans le sport, tu sais. Même chose pas nécessairement vers Chantal. Ben non, c'est ça. T'sais, moi, je ne m'attendais pas à ce que tu me répondes Chantal, mais je me disais, tu sais, n'as-tu un que tu regardes travailler et que tu dis, ouais, lui, je copie ma game un peu ou, tu sais, je vais regarder, je pogne ses petites manies ou ses... Non, t'en as pas. Tu traces ton chemin. Ben, à force, c'est drôle, j'y en parlais hier. À force de côtoyer Asun, c'est rendu que je dis, lui, j'ai dit qu'il y a une béquille, là, il dit tout le temps, j'ai envie de dire. Que c'est rendu que j'ai envie de dire. Mais à part ça, non, puis je reviens à ce que je disais tantôt, puis c'est bête, là, mais tu sais, si je copiais quelqu'un, je serais pas moi-même. Puis moi, tu sais, littéralement, je pense que si tu me vois à la télé ou si tu me vois en dehors de la télé, c'est peut-être moins aux nouvelles parce que des fois, la nouvelle requiert que je sois un meurtre, un accident ou quoi que ce soit, tu comprends, mais normalement, tu sais, je suis la même personne. Fait que non, I'm just me. Non, on aime ça. Ben, là, c'est... Tu parles de justement exactement ce que tu viens de dire aux nouvelles. Justement, tu as vécu un événement à l'Halloween. Ouais. C'est toi la première fois que ça t'est arrivé, un news break, tout ça. Ça a été difficile, j'imagine. Comment tu as vécu cette journée-là ou cette soirée-là? Mais c'est un mélange de plein de choses. Un, je viens d'arriver aux nouvelles, puis on fait un breaking news. On sépare la job avec un anchor d'expérience. Fait que là, il y a la moitié. J'aime pas ce que je vis, là, dans le sens que le moment est dégueulasse. Puis moi, j'ai habité deux fois dans le Vieux-Québec. Puis j'ai littéralement habité à peu près 10 mètres d'où est-ce que la deuxième victime est décédée. Alors, ouais. Tout ça, c'était dégueulasse. Mais en même temps, je suis de l'autre côté. Puis je fais comme, OK, il faut pas que je me plante. Ouais. Là, il y a probablement bien du monde qui nous regarde en ce moment. Tous mes boss y compris. Là, il faut que je sois bonne. Là, fait qu'il y avait un moitié de vivre le moment puis d'être vrai dans ce que tu décris aux gens, tu sais, de choisir tes mots, de peser tes mots, puis en même temps d'être bonne dans ce que tu fais, puis de prouver que j'ai ma place. Fait que c'est une journée un peu spéciale, mais j'ai appris beaucoup, malgré les circonstances dégueu. Ben non, mais je veux que les gens qui vont écouter comprennent très bien, c'est deux choses complètement. Tu as les feelings que c'est triste, puis que c'est dur de voir l'événement qui se passe, mais t'as ton travail de journaliste à faire, donc tu évalues ça complètement séparément. Là. Ça, c'est ça. Juste être bien clair. Oui, 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 c'est clair. Fred, ça fait 45 minutes. Ben je pensais que ça serait long, mais on y arrive. J'ai envie d'aller dans des petits sujets. T'sais, on a parlé de sport, on a parlé de ton métier, mais es-tu une fan d'humour? Es-tu une fan de musique? As-tu des spectacles absolument, ils viennent en ville, il faut que tu sois là, évidemment, quand il va en avoir? Tu es une fan de resto. Je sais que tu as quelques photos au resto avec, sur ton compte Instagram. C'est quoi tes hobbies? T'es tellement stalker. J'ai stalké tantôt pas mal. C'est quoi mes hobbies? Moi, je m'entraîne énormément. J'aime beaucoup ça. Donc, si vous êtes sur le Mont-Royal, sauf à partir de maintenant, je suis en février, là, mais sinon, je suis tout le temps là. Je m'entraîne, je joue au tennis. Oui, effectivement, j'adore sortir au restaurant avec mes chums de filles. J'aime les bonnes bouffes. Je cuisine beaucoup, de plus en plus. Okay. La joke chez moi, c'est appelez-moi Ricardone parce que j'essaie toute chose. Tu sais, je suis rendue qu'à Noël, n'importe quoi. Les seuls cadeaux que je demande en vie, c'est quelque chose en cuisine. Fait que j'aime beaucoup ça. L'humour. J'aime beaucoup la télé. T'sais, j'aime ça, la télé. Je regardais beaucoup de séries. Puis, ça a comme été à mode pendant une période. En tout cas, moi, j'ai pas de télé, je regarde pas de télé. Non, moi, j'en consomme pas mal. Puis, je te dirais que j'aime ça aussi, les jeux vidéo. Ça surprend tout le monde. Mais non seulement j'aime les jeux vidéo, mais tu sais, genre, toi et moi, on joue à Call of Duty. Là. Vous et moi, on joue à Call of Duty. Mais ça se peut que je vous batte. C'est sûr. Moi, j'accepte le challenge. Vrai? Warzone. OK, femme. Tu sais, juste une petite game multiplayer pour qu'on ait notre score rapidement, là. Ben oui. N'importe quand. OK. Ouais. Good. Invitation fun, acceptée. J'ai vu PlayStation. Moi, je suis Xbox. Ah, mais les deux maintenant, tu peux combiner. Cross-console maintenant, ben oui, c'est vrai. Les deux, je joue, mais je suis Xbox circonstanciellement. J'ai tout compris, j'étais pas dans le bon camp, mais en tout cas, peu importe. Moi, je suis Xbox.
J'ai vu aussi en stockant ton Instagram, parce qu'encore une fois, je suis un grand fan de ce produit. Puis je veux savoir pourquoi tu as écrit ça, mais tu as écrit trois choses en haut dans ton Instagram. Fitness, Federer, Doritos. Doritos. J'écoute. Moi, ouais. Ça dure à peu près 10 minutes, un sac de Doritos. Ben, moi aussi. Moi, les gens qui referment un sac, c'est une pathologie, là. Ça marche pas. Là. Mais non, moi, je écoute, tantôt, j'ai un sac là que je vais. Parce que là, ce soir, il faut que je te dise que c'est. Je prendrais, ça va jouer, mais ce soir, là, c'est, j'ai une émission de télé-réalité qu'il faut que je regarde. C'est bien important. Puis, The Bachelorette. Ah, ok, oui. Je suis bien sur The Bachelorette. The Bachelorette. Là, je suis en train de perdre toute ma crédibilité. Je sais pas, je veux que tu mettes ça dans le montage. Non, mais je m'assume. Mais oui, avec les Doritos. Donc, d'ailleurs, c'est quoi, toi, ta saveur? La régulière. Sac rouge. What? Mais ça, what? C'est l'original, tout le temps. Ah non, ok. Non. Moi, je suis plus le fun. Ouais, non. Moi, c'est la bold ou. Moi, c'est spicy. Donc, okay. Original, mais avec un kick. Et de plus en plus. Barbecue? Ouais, je sais pas pourquoi, mais en tout cas, on prend pareil pendant longtemps. Écoute, à chaque fois que je voyage dans le monde, je m'en achète des différents. Oui, okay. Ben moi aussi, mais tu sais, s'il y en a une sorte que j'avais à consommer tout le temps le reste de ma vie, de Doritos régulier. Je veux pas avoir l'air, là, mais je pense qu'elle voyageait un peu plus que toi, JF. Oui. Elle a dit Genève tantôt, les gens qui vont à Genève voyagent beaucoup. Hey, je suis allée pour le travail, par exemple. Ça, ouais. C'est cool. Un gros merci, question, Frédéric. Ouais, ben, ouais, non, c'est ça. Moi, à part les Doritos, moi, ça comble mon bonheur. Je trouve que c'est une belle façon de terminer ça. Ouais. Rapidement demain, on doit faire 50 minutes sans trop forcer, sans aller trop creux dans aucun sujet. Fait que tu vois, ta vie est plus intéressante que ce que tu croyais au départ, Frédéric. Ouais. Mais non, mais c'est cool. C'était super sympathique. Bien, merci. C'est ce qu'on aime. Merci beaucoup pour ton passage puis tout le succès qui te revient. Merci infiniment et on se recroise éventuellement, je présume. En terminant, rapidement comme ça, les gens qui veulent te suivre Instagram, c'est ton nom, c'est Frédéric Gay, tout simplement? Je me souviens même pas. C'est Gay Frédéric, je pense. Gay Frédéric. Ouais. Okay. C'est Gay Frédéric sur Instagram, c'est Frédéric à commercial Frédéric Gay sur Twitter. Parfait. Mm. Excellent. Donc, les gens qui veulent te suivre, c'est là. Encore une fois, merci Fred. Carb, c'était une belle entrevue, ça. Vraiment, vraiment. On anticipait qu'elle serait funnée, mais effectivement, elle était bien généreuse. Elle a fait une couple de jokes. Elle nous a fait bien rire sur certains sujets. Là. Moi, la petite rouquine avec la craque d'Indan de Montréal, je pense que je vais la retenir. Ça, je peux déjà te dire qu'au montage, ça va faire partie du petit vidéo sur Facebook, assurément. J'espère. Pour vrai, je suis vraiment content de cette entrevue-là parce que, comme on disait au début, on la connaissait à l'écran puis on ne savait pas nécessairement à quoi s'attendre. Puis, tu sais, pour juste revenir en arrière, moi, j'ai écrit sur Instagram un message puis encore une fois, elle m'a répondu en 30 minutes, je pense. Fait que je m'attendais à quelque chose de vraiment intéressant. Puis comme tu viens de dire, c'est joke. En tout cas, moi, vraiment, vraiment content. Puis pour vrai, ouais. J'ai appris à la connaître encore plus. Donc, je pense que c'est bon signe. C'est ça l'objectif pour autant pour toi puis moi que pour, ben oui. Que pour ceux qui nous écoutent. Effectivement. Carb, on close ça en vous juste en reparlant rapidement de nos commanditaires aujourd'hui. Yes. Je te laisse commencer. Va y aller, ben oui. Norton Baller, trouve ton art. Vêtements, là, gros confort, belle qualité, tout ça. NortonBaller.com, allez voir ça. Belle collection, bon produit. Yes. Puis de mon côté, je vous parle de construction Solimax. Jonathan Grenier, 514-290-2326. Vous cherchez un contracteur sur la Rive-Nord. Il est sur la Rive-Nord depuis 20 ans. Donc, bon Jack, je vous conseille fortement de lui lâcher un coup de fil si vous avez besoin de quelqu'un. On vous rappelle, lesagentslibres.com, ceux qui veulent nous regarder sur YouTube, c'est plus simple. Corp, Balado Québec, Spotify. Apple Podcasts, puis toutes les plateformes là, qui vous offrent le podcast, on est dessus. Carb, je salue nos amis de TVC d'Argenteuil aussi. Oui, là, aussi. TVCdargenteuil.com, ceux qui sont dans la région d'Argenteuil, justement. Du jeudi au dimanche, là, des heures variées. Vous pouvez vous rendre sur leur site, les heures sont là. Donc, on remercie vraiment pour la visibilité qu'ils nous donnent. Écoute, encore une fois, bien content de cette entrevue-là. Une autre belle semaine. On est content. Puis la saison 2 à date, puis c'est incroyable.
On est chanceux, on a eu des entrevues d'une heure et demie avec Maxime Lapierre, on a Sacha Gavamy, Raphaël Lessard, Catherine Reich. Ça fait juste tout le temps nous surprendre à quel point le monde sont généreux et qu'ils ont du temps, vont prendre leurs 45 minutes, une heure et demie avec nous autres, juste pour venir nous parler de leur carrière ou ce qu'ils font. Puis ouais. On l'apprécie vraiment, puis on pense que vous aimez ça aussi. Là, fait que, yes, on, fait yes. que, on ne fait que continuer. Yes, le meilleur est à venir, comme ils disent. Hein? Non? Je ne sais pas s'ils disent ça, mais en tout cas. Oui, ils disent ça. Merci, Corp. Yes, sir, merci. Merci à tout le monde. Salut. Allez,